Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7ème épisode sur The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Et regardez, la princesse a chaud. Eh oui, nous sommes dans le désert Gerudo après avoir sauvé les compagnons de notre petit bonhomme qui est juste à côté de nous, qui nous accompagne, qui s'appelle donc Tri. C'était très différent de la première fois où il suffit juste d'atteindre la zone. Là, on a dû sauver ses compagnons et par contre, on est ressorti de la faille pour cette fois-ci peut-être aller dans le sanctuaire. Donc c'est ce qu'on va, essayer de faire. Donc pour ça, je vais ouvrir la carte et on va aller, on va y aller à pied en fait. Hein. On va y aller à pied, on s'en fout, on n'a pas besoin de se téléporter. Alors, il y a toujours ces dalles volantes là, je ne sais pas où elles sont. Je vous avoue que ça me... Non. Va-t'en. Est-ce que je l'ai activée celle-là? Hein, je l'ai pas activée. Hein. Ah, il y en avait une juste, vraiment juste à côté, quoi. Ok. Donc, est-ce qu'on va trouver des dalles volantes dans cet épisode? Écoutez, je n'en sais rien. Mais en tout cas, nous avons la garde qui est ici. On va tout expliquer. Le bouchon qui bloque la cascade de sable se trouve par ici. Mais, je viens de me faire attaquer par un paquet de monstres et je n'ai pas pu m'aventurer à l'intérieur. Si tu arrives à retirer le bouchon, le sable s'écoulera et ça libérera l'entrée du sanctuaire. Donc, potentiellement du deuxième temple. Bon, donc il y a un bouchon à l'intérieur, et si on le retire, on pourra se rendre à l'entrée de la faille. Allons-y, Zelda. Donc la deuxième faille n'était qu'une faille éphémère. Grotte du bouchon. Alors, est-ce que c'est le temple? Est-ce que c'est le temple? C'est ça la question. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah, peut-être que si je mets un lit... Non. Oh non, t'es sérieux? Si je mets un trampoline... Voilà. Ça se trouve, il y a peut-être plus simple pour faire, mais... Voilà. C'est fait. Ah, mais ça m'a bien l'air d'être un temple. Je crois qu'on est dans le deuxième temple. C'est vrai que c'est étrange, hein, les façons dont... Alors... là, je pense qu'il va falloir peut-être mettre une caisse ou quelque chose. Ou un rocher. Voilà. Pour pouvoir tout simplement passer. En sachant que je peux aller à droite aussi. Mais on va d'abord aller là. Ouais, évidemment, il fallait que je me les bouffe. Alors attends, on va remettre hein, comme ça. Aïe. En fait, faut juste que je l'active en fait. Voilà, c'est tout. Pourquoi se casser la tête? Ah, il y a des momies. Ok, alors attendez. J'espère qu'elles ne pétrifient pas celles-là. Non, elles ont pas l'air. Hein. Attends. Elles ont l'air assez costauds aussi. Ça tombe bien parce qu'on l'a pas dans l'encyclopédie celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une Gibdo. Bah oui, forcément. Les Gibdo, les fameuses Gibdo. Elles sont là, elles aussi. Ah ah! On a une clé. Là, il y a ce truc-là, là. Je sais pas si on peut faire quelque chose avec ça. J'ai pas l'impression. Peut-être qu'il faut un objet, je ne sais pas. Ah, on peut sortir par là. Oh là, attendez. Mini-boss. Attaque-le! Voilà. Enfin, franchement, lui, il est trop bien parce qu'il rebondit dans tous les sens. C'est un flipper, le truc. Alors là, on va remettre un rocher. Alors, bon, je l'ai peut-être un peu mal placé, quand même. Voilà. Du coup, on peut repasser ici et on peut ouvrir. Attendez, ça brille, là? Ah, tu vas me dire que je peux le mémoriser? Non.
Je peux mémoriser le l'écho du le souffleur. Je peux mémoriser. Oh, ça va peut-être nous aider ça. Oh. Pour certains. Ah mais attends. Vu qu'on a ça maintenant. Attendez. Là. Si je vais ici, ça veut dire qu'en gros, si je place ce machin. Eh ouais. Eh ouais. Je me disais bien que. Je me disais bien que ça servait à quelque chose. Tiens, regarde. Ok, alors attendez, du coup, on va retourner ici. Ah, on se fait des rubis, les gars. On se fait des rubis. Ah bah, du coup, ça réapparaît, mais je pense qu'il n'y aura plus rien. Oh, je peux aussi faire comme ça, pas besoin de trucs. Ok. Du coup, on peut ouvrir ça. On va descendre. Ah, est-ce qu'il va pas falloir utiliser nouveau l'espèce de la taupe là? Ah, ici je ne vais pas pouvoir passer. Très bien. Bon, je pense que c'est le temple hein, les gars. Oh! Ah oui, mais merde. Ah ouais. Oh! Salopard. Il faut que je passe avant lui en fait. Non. Ok, si c'est bon. Très bien. Je pense pas qu'il va. Non, il va pas foncer sur moi lui. Comment je peux. Attends, et si je mets un souffleur? Oh merde! J'arrive, je sais. Oh! Comment ça se fait qu'il est descendu? Ok, bon, j'arrive pas à comprendre comment ça marche. Merde. Alors, est-ce que c'est foutu dans le bocal? J'en ai aucune idée que c'est foutu dans le bocal. Si? Flacon à fée, si vous avez. Ok, bah j'ai une fée, très bien. Je sais pas comment il a fait. Alors là, pour atteindre le coffre, il faudrait utiliser la kiki ici. Oh non! Aïe. Non, je crois que la fée, je l'ai pas eu. Hein. Oh la vache! Comment? Attends. Je pense qu'en vrai, ce qu'il faudrait faire déjà, c'est. Voilà, déjà, t'as tout. Je sais pas s'il y a moyen de les tuer. Si je mets ça. Et si je mets ça dessus, est-ce qu'il va rebondir? Ah, bien sûr que non. C'est un peu compliqué là. Ah mais attendez, j'avais oublié que j'avais lui. Mais ça c'est chiant de ouf. Attendez, ça utilise combien de trucs? Ça utilise 3. Ok. Donc je peux forcément mettre un rocher pour qu'il évite de. Ok. De m'emmerder. Voilà. Mais ça? Non. Mm-hmm.
Ah merde. Mais non. Oh. Là. Ah putain. Ah bah il l'a claqué. Et du coup je le débloque. Ok, c'était comme ça qu'il fallait qu'on le tue. Girolame, ah, il est bien chance machin. Ok, attends. Maintenant. Mais putain, mais c'est pas vrai. Bon, on va mettre une table. Vas-y. Non, mais pourquoi? Oh. Je vous jure, je sais pas comment me débrouiller en fait. Le jeu est compliqué. Le jeu n'est vraiment pas évident. Je sais pas comment je peux bloquer ce truc. Est-ce que j'ai quelque chose qui permet de mettre un mur ou quelque chose? Bah j'aurais ça, mais je sais pas si ça va aider ça. Attends, alors peut-être qu'il faut juste que je mette ça en fait. Hein. Hein. Voilà. Maintenant t'enlèves ça. Oh putain, dis-moi que je vais pouvoir passer là. Le lit ça prend combien? Ok, je peux en mettre deux. Ah mais je vais pas pouvoir passer là. Je veux ce coffre! Putain, c'est pas vrai ça. Non mais putain, mais sérieux quoi. Mais non, mais tu vois, il m'enlève pas le bon truc, putain. Mais c'est relou à mort! Attends. On va faire comme ça. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Mais mets-le! Putain, c'est pas vrai! Voilà! Mais tout ça pour ça, sans déconner. Ah, tout ça pour un rubis rouge. Non mais génial quoi. Oh bah là il y aurait eu un cut les gars. Parce que très clairement j'ai eu du mal à comprendre. Vraiment, je vous le dis. Génial, il n'y a rien du tout. Putain, je pouvais lui balancer ça depuis le début pour que... Je pouvais lui balancer ça depuis le début pour qu'il... D'accord. Ok, ça marche. Attends. Ah, j'ai pas assez de... Je sais pas si c'est moi qui réfléchis pas ou... Mais en tout cas c'est chelou à mort. Voilà, merci. Voilà. Du coup, remets ça. Pour utiliser la kiki aussi, tu vois, c'est ça le truc. Oh, c'est quoi ça? Vas-y, tombe.
Elle s'est fait éclater. Oh, elle revient! Dis-moi qu'elle est immortelle. Mais jamais elle décède. Je crois qu'elle décède pas. Hein. Si, c'est bon. Qu'est-ce que c'est comme Gibdo, ça? Ah, c'est une Gibdo niveau 2, c'est-à-dire qu'elle est plus costaud. D'accord. On a la possibilité de monter là, et on a une possibilité d'aller là. C'est le fameux bouchon. Ok, attendez, alors avant d'aller faire le bouchon, on va d'abord aller ici. Et on va regarder ce qu'il y a ici. C'est un raccourci. Ok. Donc le raccourci du début. Donc là. Oula. Ah! Ok. Le fameux bouchon. D'accord. Du coup là je peux repasser là. Ici. Ah, c'est cool. On peut ressortir là. Ici. Et là je pense qu'on va y avoir. Il va y avoir du dialogue là. Pas du tout. Y'a pas de dialogue. On va rentrer alors. Sanctuaire Gerudo. Ouais. Je devrais pouvoir créer une ouverture ici. Zelda, recule un peu s'il te plaît. Alors, est-ce que ça va être comme le premier ou pas? Oh! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ce jeune homme en tunique verte. Zelda, ce n'était pas Link? Je dirais plus un imposteur. Alors, je pense pas que ce soit le temple. Ah si c'est le temple les gars, je vous le dis, ça va être un gros épisode. Hein. Et à nouveau ces trucs ici, je sais pas comment passer ici, hein. C'est une dinguerie. Hein. Là, ici, c'est incroyable, hein. Je sais pas. Non mais... oh. Vas-y. Allez, remonte. Ouais, d'accord, c'est bon, ok, tu peux pas passer, ça marche. Y'a quoi ici? J'espère que c'est pas... En fait, j'arrive pas à savoir si c'est le temple ou pas, en fait. Vous voyez le truc? Si, c'est le temple. C'est le temple, ça. Ok. Oui, c'est ça, c'est le temple. Ok, d'accord, ça marche. C'est le temple. D'accord. Bon bah si c'est le temple les gars, on va pas le faire dans cet épisode. Parce que sinon ça va être trop long l'épisode. Ça va être beaucoup trop long, on va le faire dans le prochain. Je sais pas si on va ressortir ou pas. Parce que là regardez, il y a encore ici là. Je sais pas ce qu'il y a ici. C'est quoi ça, c'est un raccourci ou c'est quoi, c'est pour empêcher ça? Ouais d'accord, ok, c'est juste ça en fait. Tout bêtement. D'accord, bah écoutez, on va redescendre, on va ressortir. Hop, sortir du néant. Mais c'est bizarre, attends, est-ce qu'à chaque fois qu'on rentre dans une faille, on a le temple? Ah oui, c'est ça, le premier temple qu'on avait fait, il était dans le néant. Ok, d'accord, bon. Je pense qu'on va faire un petit peu de secondaire pour éviter de faire le temple maintenant parce que sinon ça va être trop long en fait.
Je sais pas si vous voyez le truc, mais ça risque d'être trop long après l'épisode et j'ai pas envie parce que voilà, j'ai fait des épisodes assez longs des fois. Peut-être continuer d'explorer un petit peu le désert. Juste continuer d'explorer un peu le désert Gerudo et parce que vous voyez en fait vu qu'on a débloqué maintenant le souffleur, on va peut-être pouvoir trouver des trucs là, des entrées de grottes ou je sais pas. Attends déjà toi tu m'emmerdes. Ah merci. Parce que je sais qu'il y avait des zones en fait où il y avait beaucoup de sable comme ça là et en main on va peut-être pouvoir souffler justement pour bah, pour voir ce que ça fait quoi, s'il y a quelque chose qui est caché. Ah ah bah, voilà. Vous voyez. Déjà ça. On en a 7, encore 3 et on va pouvoir améliorer au niveau 2 le truc. Est-ce que ça je l'ai fait? Tu as déjà ce tampon, ok d'accord. Est-ce qu'il y a moyen de monter encore plus haut là? Oui là. J'ai pas l'impression qu'on peut monter par là. Oh quoique, il y a une grotte là derrière. Ouais mais ça c'est les grottes qui font partie du... de l'autre zone ça. Moi je cherche des tas de sable en fait. Alors peut-être qu'il y en avait par là, je sais pas, attendez. Hop. Oh les corbeaux qui sont de retour. Non je crois pas qu'il y a... Non non, il n'y a plus de tas de sable ici. Ok. Bon, on va retourner dans le désert. Et on va utiliser ce souffleur là. Mais même les rochers là, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose avec les rochers. Oh non. Oh non. T'es de retour toi? Ah non, c'est un autre ça. What? Attends, 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 attends. Ça par contre. Ouais je me fasse des smoothies en fait, ça va me restaurer beaucoup plus vite la santé. Allez vas-y. Allez vas-y. Vas-y. Éclate-le, éclate-le. Voilà c'est bon nickel. Elle m'a donné un cœur en plus. T'as mais ils réapparaissent à chaque fois ou quoi ceux-là? C'est un autre en tout cas, c'est un autre. Vas-y, attaque-le! Merde, j'aurais dû le taper avec l'épée, je suis con. Bon, on y pensera la prochaine. Je suis en train de me dire qu'en fait, il me faudrait quand même que j'achète les bottes. Hein. Ok. Allez, aïe, putain, à chaque fois je me prends son truc là. Attendez, j'ai moyen de me soigner en plus parce que j'ai un smoothie. Ah oui, ça restaure tellement plus. Voilà, il est mort. Alors qu'est-ce que ça fait le fait qu'il ait une autre couleur celui-là? Qu'est-ce que ça va me donner? Oh, c'est quoi ça? Vous avez obtenu une pierre de monstre. Cette étrange concrétion minérale se développe dans le corps des monstres. Alors ça a l'air important. Il y avait un rubis violet par contre, ça c'est cool. Toi oh, tu m'as bien emmerdé toi. Ok. On a eu un nouveau truc. Alors je sais pas à quoi ça sert, c'est peut-être une monnaie d'échange, hein, va savoir. Hein, mais pour moi c'est une monnaie d'échange, très clairement. Alors est-ce qu'il y aurait encore des tas de sable là quelque part là? Alors il y a ces trucs là-haut là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces ruines là? Attendez voir. Allez voir.
Y'a rien à faire avec ces trucs là. Ça a été restauré maintenant. Et ça c'est pareil, hein, vous avez vu ces rochers là, je suis sûr qu'on peut les casser. Hein. Y'a moyen qu'on puisse les casser, mais après je sais pas trop. Oh la vache! Allez, encore deux et on pourra aller voir Louberry. Et en plus, regardez, ça nous recharge à fond le truc, ça c'est trop bien. Donc attendez, on va se faire des smoothies, vu qu'on est là. On va se faire des smoothies, on va faire des combis. Et on va voir ce que ça donne, attends. Parce que ça recharge tellement plus de... tellement plus de cœur. Donc si par exemple je mets ça avec ça. Préparer. Oh, ça régénère deux cœurs. Préparé pour 100 rubis. Ah non, vous savez quoi, je... En fait, ça me fait chier de dépenser des rubis pour ça, en fait. Ok, bon, attendez. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais, moi, de base. Ok, y'a rien. Y'a rien non plus. Alors, eux, ils ont des coffres. Ok. Mais ils sautent dessus, ils sautent par-dessus à chaque fois, attends. Voilà. Du coup, on obtient ce coffre-là. Putain, c'est bizarre, j'étais pourtant sûr de l'avoir fait, celui-là. Un piment. Ok, on a fait tout ça pour un piment à la con. Ça marche. Alors là, on a ça. Ok, y'a rien. Non mais y'a rien ici de toute façon, ok toi. Ok, là on a la fameuse entrée de grotte. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans la grotte là, nouveau, des petits tas de sable là? Je ne sais pas, attendez, on va vérifier. Donc ça c'est pour sortir nouveau à l'extérieur. À ce niveau là, ok, bon y'a rien. Parce que si on peut trouver encore plus de fragments de puissance, ça serait bien quoi. Vous voyez ces rochers là. Ces rochers, on peut les casser avec quelque chose. Hein. Alors pourquoi je reviens ici, moi, je sais pas, mais il n'y a rien ici, c'est sûr. On va ressortir. Ah bah eux ils sont nouveaux là eux. Ok, bon, je vais peut-être pas les fighter maintenant. Donc là on est au palais. Et vous savez quoi? On va s'acheter les bottes qui nous permettent de marcher dans le sable mouvant. Parce que dans le prochain temple, celui-là qu'on va faire dans le prochain épisode, vu que c'est le désert Gerudo, il y aura forcément des sables mouvants à certains endroits. Et je préfère pré-shot le truc parce que s'ils nous le vendent ici là, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'on va se l'acheter. Ça coûte 400. Voilà, au moins on l'a. Nickel. Ces sables fabriqués par le peuple des autres permettent de marcher dans les sables mouvants sans s'enfoncer. Voilà, et ça c'est cool. Merci. Alors, je sais pas si c'est équipé maintenant en mode passif. Ou s'il faut que je l'équipe moi. Attends. Non, c'est là, il faut que je l'équipe. Retirer. Ok. Ouais, elle fait un bruit bizarre. Enfin, un bruit bizarre. Elle fait un bruit de comme si elle avait des petites bottes. Des petites sandales. Oh, regardez. Alors, là, ici, c'est sûr qu'il y a un fragment de puissance. Même pas, il y a un coffre. Oh, rubis violet. Ah bah ça tombe bien, on a dépensé pour... Nickel.
Nouveau à 243, c'est cool. Ah, il y en a. Oh, il y en a deux autres là. 3 2, ok. Oh, bah là, il y en a plein là. Vas-y, souffle. Ok, un monstre. Un. Oh! Oh, un fragment de cœur! Encore deux et j'ai un cœur en plus. Aïe! Non, vas-y, hey, je vous jure, ils sont trop chiants eux. Ah, ah. Ah, je leur mets deux coups avec le niveau 2 et ils prennent cher, ok. Ok, vas-y, souffle encore sur celui-là. Ah, un fragment de cœur ici, t'es sérieux? Ouais, vous avez vu que ça valait le coup quand même, hein. Oh la vache! Là, ça aura valu le coup. T'as regardé, on en trouve plein en fait là. Ok, y'a rien. Bon, là, y'a un monstre. Bon, je pense que là, c'est le bord de map. Ah ouais, d'accord, un fragment de cœur ici. On est à combien là? Je crois qu'on en a deux, hein. Ouais, c'est ça, encore deux et on a un cœur en plus. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on a tout découvert. En tout cas pour ce qui est du désert. Parce que vraiment là... voilà, on a tout découvert ici, hein, c'est sûr. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Ceci dit, il y a une petite question que je me pose, c'est que... Vous avez vu là-haut là? Est-ce qu'on peut aller là-haut où ils sont les gardes? Attendez, on va rentrer là. Est-ce que... Non, ça fait rien en fait. Okay. Est-ce que si je mets une taupe ici, là, et que je rentre dedans... Voilà, là. Non, je peux pas? Ok. Là, voilà, si je l'enlève. Non, ok, d'accord. Je pensais qu'il allait y avoir un passage. Est-ce que si je monte ici, il y a des sorties à droite à gauche? Non. J'ai l'impression qu'on ne peut pas aller en haut où ils sont en fait, hein. Je sais pas comment on peut faire pour aller là-haut. Mais en fait je suis con, parce qu'il suffit juste que je fasse ça. J'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié qu'on pouvait faire ça. Ça vous voyez c'est... Wow, vous avez vu ce qu'il y a là-haut là? Oh non non non, attendez les gars, on n'a pas tout découvert. Non 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 non, on n'a absolument pas tout découvert. Là, qu'est-ce que ça fait si je te parle? Il faut une autorisation spéciale pour entrer ici. Et j'imagine que je l'aurai une fois que j'aurai... Une fois que j'aurai... Bah, battu le boss quoi. Oh mais on a accès à toute la zone derrière en fait là. Wow. Attends. Oui sauf qu'en fait non ça changera rien. Mais attendez. En fait on est derrière le palais. Ok. Mais ces rochers là, je suis quasi sûr, même ça là, je suis sûr qu'on pourra faire quelque chose avec. Par contre il y a ça là, ici là. Ça croyez-moi qu'on va rentrer dedans. Parce que je pense que c'est un truc secret ça. Il y a quoi ici? Oh. Vas-y, emmène-moi. Ok. Alors là... Le mieux c'est de faire ça. Mais non, t'es sérieux? Ok. Je me suis tellement raté. Attends, c'est pas grave, regarde. Ah. Alors ça, regarde, je pense savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Non, il le fait pas. Ok. Oh! Un fragment de cœur! Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Très bien.
Très très bien. Ah bah franchement j'ai bien fait de venir. Ok, ça veut dire qu'il n'y a pas de toit là. Attends, je vais l'enlever. Voilà. Vas-y, remets-le. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Je pense pas qu'il y a quelque chose là-haut. Ah si! Non, ok, y a rien. D'accord. Bon bah plus qu'un fragment de cœur et on a un cœur en plus. En sachant qu'on en aura forcément un en plus puisqu'on aura on battra le boss. Donc ouais, cool 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 cool. Donc là je pense que on a tout découvert dans le désert. Je dis ça, je dis rien. Là ici je connais, c'était là où je m'étais fait fumer. Ouais là-bas il y avait un coffre et tout. Je pense pas qu'il y a d'autres trucs hein, vraiment. Ouais, c'est, je m'étais fait fumer ici, là, je me rappelle. Ok. Bah voilà, bah écoutez, on va... Alors, l'entrée de la grotte. Alors, l'entrée de la grotte, elle est par ici, ouais. On va se téléporter là. Hop. Et bah on va se laisser pour cet épisode. Voilà. Donc, bah l'objectif principal, bah voilà, c'était de déboucher le sable. Et voilà. Alors l'entrée, là, le sanctuaire c'est là, hop, direct, et nous y voilà. Ah bah du coup faut que je refasse ça. Voilà, on va se laisser carrément là-haut, là. Voilà. Nickel. Bon, bah écoutez, sur ce, les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 7 sur The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. J'espère qu'il vous aura plu. Pensez, comme d'habitude, à bombarder de pouces bleus. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Je l'espère en tout cas, parce que c'est vrai que j'ai pas tourné l'épisode assez à la suite. Pour pouvoir vous en proposer... hier et avant-hier, je crois en tout cas. Non, avant-hier il y en a eu un. Avant-hier il y a eu un épisode, mais il n'y en a pas eu hier. Mais aujourd'hui vous aurez votre épisode, ne vous inquiétez pas. Et bon, moi je vais tourner, je vais faire une session d'épisodes là. De toute façon, en plus je suis en congé une semaine, donc j'aurai le temps pour tourner des épisodes. En sachant que mardi il y aura peut-être une diminution des épisodes de Zelda parce qu'en fait il y a Sparking Zero qui sort. Et ce jeu, les gars, je l'attends de pied ferme. Je vais vous spammer de vidéos sur ce jeu, ça va être une dinguerie. Sur ce les amis, merci à tous d'avoir regardé et puis rendez-vous demain à 10h comme d'habitude pour continuer notre aventure et faire donc le deuxième temple du jeu, à savoir le temple Gerudo, on va l'appeler comme ça. Voilà. Allez, sur ce les amis, merci à tous et à la prochaine. C'est Akanite, see you for the next episode. Oh yeah.